Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Alors, pour ne pas gaspiller le temps, prenons tous ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7. Ésaïe 53, 1 jusqu'à 7. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voix. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ajoutons encore quelque chose dans le livre des psaumes. C'est le livre des psaumes au chapitre 53. Excusez-moi, 55, si je ne me trompe pas. C'est le livre des psaumes au chapitre 55. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Eh Mungu, teka sikio ku maombi yangu. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Na usikose kusikia mabembelezo yangu. Écoute-moi et réponds-moi. Unisikilize na unijibu. Je ressens elle dans mon chagrin et je m'agite. Niko na waya waya uku na kule muchungu yangu na mina ngaika. A cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Wajili ya ile sauti ya adui na kuteswa kwa ule mtu mkali. Car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Wani wanangusha juu yangu ole na wananyandama na kisilani.
Mon cœur tremble au dedans de moi. Ndani yangu, roho yangu kuna tetemeka. Et les terreurs de la mort me surprennent. Na ile boko, boka ya lufu kuna nishtusha. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Woga na kuongopa binanifunga, binanishambulia. Et le frisson m'enveloppe. Na kutetemeka kuna nifunika. J'ai dit. Minasema. Oh, si j'avais les ailes de la colombe. Eh, hey, kama nilikuwa na mabawa ya njiwa. Je m'envolerai. Nilipasha kuluka. Et je trouverai le repos. Na nilipasha kwenda kupata mapumziko. Voici, je fuirai bien loin. Tazameni, nitakimbia mbali zaidi. J'irai séjourner au désert. Taenda kuketi mjangwa. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Nous voici encore une fois ce soir devant ta face. C'est toi l'auteur de la parole. Tu es le prédicateur du temps jadis. Tu as prêché depuis l'éternité. Et Seigneur, nous t'appelons ce soir. Viens et brise pour nous le pain de vie. Apporte, Seigneur, ton onction sur cet auditoire. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, que je les ai envoyés ma parole et ma parole les a guéris. Laisse que ta parole apporte à la guérison de l'âme ce soir. Laisse que ta parole apporte à la guérison du corps ce soir, Seigneur. Quand elle sera apportée, Seigneur, laisse chaque âme puisse être touchée et que nos âmes vibrent dans ta présence. Ô Dieu, prends le contrôle de la réunion. Nous remettons tout à tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Na miomba mketi. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Malengine tena, Bwana Mungu amibariki. Ainsi, avec ces portions de l'Écriture, Ivi na isehemu ya neno, j'ai prié Dieu qu'il m'assiste cet après-midi. Mangalibia leo, niliomba Mungu anisaidie. Et je crois qu'il va m'assister. Na mimi naamini ya kwamba atanisaidia. Est-ce que vous le croyez avec moi? Car je compte sur vos prières. J'aimerais parler sur un sujet que je vais intituler comme ceci: le message de la colombe blessée. C'est un message que j'ai tiré du message prêché par Frère Branham, intitulé sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Mais dans ce serment, il y a quelque chose qui a frappé mon cœur et mon esprit. Et je prie le Seigneur qu'il nous aide à ce que nous puissions nous partager cela ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez me prêter votre attention soutenue, car je ne suis pas un prédicateur famé. Il se pourrait que la parole soit prêchée ce soir par des phrases entrecoupées. Mais la prière sincère de mon cœur ce soir et que le Saint-Esprit rassemble cela, elle imprègne dans une âme ce soir. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le message de la colombe blessée. Et la colombe, c'est un oiseau formidable. C'est un oiseau qui est utilisé pour beaucoup de services.
un oiseau qui a été utilisé dans les temps anciens, même pour les sacrifices. Quand on pouvait pêcher dans les temps anciens, comme par exemple si quelqu'un avait la lèpre, il devrait apporter la colombe ou les tourterelles pour l'expiation de son cœur, de son corps. Et Frère Banam dit que la colombe a une grande famille. Et même famille avec les pigeons. C'est la même famille avec les tourterelles. Et toutes ces espèces d'oiseaux sont souvent utilisées presque pour les mêmes services. Ainsi, pour ce soir, nous allons essayer de parler aux oiseaux, mais de son message est à une colombe blessée. Et si nous prenons dans le message sur les ailes d'une colombe, au point 38, Frère Banam dit, là il dit que la colombe c'est mon oiseau préféré. Frère Banam en a eu beaucoup d'oiseaux préférés, comme par exemple le rouge-gorge, et il a aussi un oiseau préféré qui est une colombe. Mais c'est à part la nature de la colombe que cela attire beaucoup l'attention de Frère Branham. Il a même prêché un message intitulé l'agneau et la colombe. Et là au paragraphe 38, Frère Banam dit ceci. Il dit maintenant, nous allons parler un peu de cet oiseau. La colombe a toujours été l'un de mes oiseaux favoris. À propos de la colombe, la colombe à vrai dire et les pigeons sont les mêmes oiseaux. Les pigeons est une colombe domestique. Ils sont tous les deux de la même famille. Je l'ai vérifié et il s'agit bien de la même famille. Les pigeons et la colombe sont tous les deux de la même famille. Ces oiseaux ont des habitudes bien spéciales. Et la colombe a une habitude spéciale. La colombe dégage l'huile à partir de son intérieur. C'est ce qui les garde propres. Et Frère Banam typifie la colombe au Saint-Esprit. Un véritable Saint-Esprit n'a pas d'impurité en lui, car c'est une source qui nettoie à partir de l'intérieur. Et pour avoir la vie de la pureté, il est indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Ainsi pour ce soir, nous allons essayer de voir cela. Le message de la colombe blessée. Mais Frère Banam dit, il parle d'une certaine histoire autour de la colombe. Il dit ceci. Il parle cela dans le même message sous les ailes d'une colombe. Au paragraphe 27.
Kifungu yake 27. Baba nama di. Baba nasema. Comme je l'ai dit avant de commencer. Baba nilisema mbele ya kwanja. Que la colombe a été utilisée pour les sacrifices. Njiwa balimutumia kwa ajili ya matoleo. Ainsi que pour beaucoup d'autres services. Tena kwa ajili ya makazi zingine za mingi. Ici au paragraphe 127, Baba nama di. Hapa kifungu yake 127 ndo Baba nasema. Nous aimerions appuyer là dessus quelques instants. Tutapenda kukazia kabisa dakika chache pa hii mambo. Vous chrétiens, nini wa Kristo, comprenez ce que je vais dire. Mwelewe hiki natafuta kusema. Elle retrouve toujours son chemin pour retourner à la maison. Njiwa anapataka kila mara njia yake njua kururia kumlango. Baba nami dit que si on prend la colombe, Baba nasema bakichukua njiwa, même si vous l'amenez très loin, ataka monenda naye mbali, elle finira par retrouver le chemin pour retourner à la maison. Atafikia mkupata njia njua kururia kumlango. Et il continue, il dit, naendelea nasema, c'est pour cela qu'on l'utilisait comme pigeon voyageur. Ni kwa maana kwa namtumia kama njiwa wa kwenda safari mrefu. Autrefois, zamani, on l'utilisait en temps de guerre. Ba kwa namtumia wakati wa vita. On utilisait toujours ce pigeon voyageur. Ba kwa namtumia kila mara ule njiwa wa safari. Pour porter un message. Kwa ajili ya kwenda kupeleka ujumbe. Alors nous voyons ici. Sasa hapa tunaona. Pas seulement que le pigeon sert pour les sacrifices. Njiwa abamtumie pa kwa ajili ya matoleo. Mais il peut aussi être utilisé pour envoyer un message. En quelque sorte, le pigeon ou la colombe peut être un messager. Et quelqu'un ne peut pas avoir et être un messager sans avoir un message. Voilà pourquoi nous parlons ce soir du message de la colombe blessée. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du message de la colombe blessée. Fébanam continue et dit, ainsi vous voyez que cela fait de la colombe un messager utilisé par Dieu et par l'homme. Ule Mungu anatumia na mtu anatumia. La colombe était messager. Jiwa ni mjumbe. C'était messager pour Noé. Alikuwa mjumbe kwa ajili ya Noa. Lui annonçant que la paix était revenue. Kumtangazia sema salama ilirudia. Je l'utilisa pour attester que celui-ci était son fils. Mungu alimtumiaka kwa ajili ya kuhakikisha sema huyu ni mwana wangu mpendwa. Le sacrifice devant amener la paix sur la terre. Matoleo ile ilipashaka kuleta salama duniani. Aux hommes qu'il a agréé. Kwa watu wale alikubali. Elle fait utiliser comme messager. Njiwa bari mtumiaka kama mjumbe. Ainsi, en parlant de ce message, hivi mkusemea hii ujumbe, le message de cette colombe, ujumbe ya huyu njiwa, commencez par comprendre que la colombe typifie le Saint-Esprit. Mwanzie po kuelewa ya kwamba njiwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Et elle représente le Seigneur Jésus-Christ. Na anamaanisha tena kuwa na Yesu Kristo. C'est pourquoi, ni kwa maana, Frère Branham ajoute encore quelque chose. Ndugu Branham anaongeza tena kitu kingine. Ici au point 128. Hapa kifungu yake 128. Frère Branham dit juste ici. Ndugu anasema hapa tu. Il me vient à l'esprit une petite histoire. Kwa akili yangu nafika ka historia kadoko. Que je lis une fois dans un livre. Kale nilisomaka siku moja mkitabu. Maintenant. Sasa. Je ne peux pas l'affirmer, mais il se peut que cela soit dans le déclin de la Première Guerre mondiale. J'en suis pas certain. Si vous ne le voyez pas là-bas, alors j'ai fait erreur. Ou bien je l'ai lu dans un autre livre. Cela fait bien des années, mais c'était assurément ce qui arriva du temps de la guerre. Branham raconte cette histoire là alors que nous sommes en train de descendre. Prenez encore le point 129.
Les soldats américains étaient la cible des mitrailleuses allemands. Et ils se trouvaient dans une espèce de tranchée. Vous soldats, vous comprenez. Je pense comment ils étaient postés en reconnaissance quelque part. Ils se trouvaient coincés. Écoutez bien cette histoire, car c'est là où est lié mon message. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Fabana me dit que les soldats américains étaient coincés dans la Première Guerre mondiale. Ils se trouvaient coincés. Et il ne leur restait que très peu de munitions. Les Allemands avançaient par grandes unités et s'installaient partout. Ils savaient qu'à moins de recevoir du réconfort, de l'aide, ils allaient bientôt tous mourir. C'était donc indispensable. Les Allemands descendaient tout droit de la montagne, pouvant les voir d'en haut et marchant directement sur eux. Et comme cela, et Fabanam parle de cette histoire, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Les Américains se sont retrouvés coincés loin de leur quartier général. Ils n'avaient pas de munitions. Ils étaient retranchés dans un coin, loin de leur pays, loin de chaque faveur. Maintenant là, ils avaient besoin d'une aide. Et si l'aide ne venait pas aussitôt, ils allaient tous mourir. Mais comme ils avaient au milieu d'eux, avec une petite colombe, car à l'époque, des fois, il n'y avait pas encore de téléphone, ils voulaient à tout prix contacter le quartier général. Mais il n'y avait pas de possibilité. Et ils ont tout fait. Ils étaient coincés. Ils étaient au bout. Ils étaient tout terminés. Au 130 du même message, Fabana me dit, écoutez, mais dans cette condition, Frère Branham me dit, l'un d'entre eux se souvint, alors qu'il avait une petite mascotte, un petit pigeon. Il savait que ce pigeon, s'il pouvait sortir de là, porterait le message à l'état-major principal. Amen. Où ils avaient été stationnés. Ils écrivirent donc sur un billet, nous nous retrouvons coincés à tel endroit, dans telle et telle région. Nous n'avons plus de munitions. Dans quelques heures, nous devrons nous rendre ou bien être massacrés. Ils épinglèrent ceci ou l'attachèrent à la patte de cette petite colombe et la lâchèrent. Mais quand ils l'ont lâché, Frère Bana me dit, lorsqu'elle s'est élevée, lorsqu'elle s'éleva dans les airs, les Allemands virent ce qui était arrivé. Ainsi, ce qu'ils firent, ils se mirent à tirer sur la colombe. L'un d'entre eux la tenit avec une mitrailleuse, ou une balle de calibre 30, et lui cassa la patte. Un autre lui racha un gros morceau du dos. Sa poitrine était meurtrière de part en part.
alafu kilari yake kiliumizwa ngambo l'île de Seychelles était mutilée moja mabao yake ilivunjika vunjika en ayant perdu le bout mukupoteza nguvu elle volait de travers kwa lakini alikuwa analuka mpengano yake mais elle continua à monter aliendelea paka na kupanda et finalement elle y arriva kumwisho akafika kula alikuwa anaenda mutilée mwenye kuvunjika vunjika blessé mwenye kuumizwa brisé mwenye kuvunjika meurtrier mwenye kuvuya bilonda mais elle tomba dans le camp akanguka mkambi avec le message na ile ujumbe c'était une colombe noble alikuwa kanjiwa wa heshima ule moi et toi nous étions coincés mie na wetu kwa mwenye kubanwa par les tranchées de l'enfer na mangereza on n'avait pas d'ici atukua na kwa kutokea personne ne pouvait sauver son prochain hakuna mtu aliweza kuokoa jirani wake mais il a fallu une colombe noble kwa lakini takiwa njiwa mwa wa heshima ya été élevé ule alinyuliwa comme une simple plante sa vile mumea tu ya mpeke bien que maîtrier yenye kumizwa kabisa bien que flagellé yenye kupikwa kabisa elle est quand même montée na kwa lakini alipanda Jésus bien que maîtrier mwenye kumizwa kabisa il a accepté la mort de la croix Yesu alikubali ile lufu ya msalaba. Le krasha, alikubali bamtemee mate. À cause de toi. Kwa ajili yako. Amen. Amina. Frère Branham a dit. Boku Branham anasema que vous n'avez pas de sainteté. Amuna na utakatifu. Laissez-moi dire une chose. Acha nikueleze kitu moja. Si ce n'est par la grâce de Jésus. Kama tu haiko kwa ile neema ya Yesu. Personne ici ne serait sauvé. Hakuna mtu hata mmoja hapa aliweza kuokoka. Vous n'avez pas aucune sainteté, messieurs. Auna na utakatifu hata moja jamani. Personne ne peut élever son petit doigt. Hakuna mtu anaweza kuinyoka kilolo yake. Pour dire qu'il est arrivé à la hauteur de l'évangile. Ya kusema anafikia mkipimo ya injili. Amen. Amina. Oh, alléluia. Hey, alléluia. Je commence à me sentir religieux. Nanza udisikia sawa kidini. Est-ce que vous sentez de même? Eh, tina mwe mnadisikia vile vile. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Nous étions alors coincés. Tulikuwa benye kubanwa. Sans secours. Bila msaada. Même les grands prophètes. Hata banabii banene. Chacun pouvait faire le miracle. Kila mmoja aliweza kufanya miujiza. Mais une fois qu'il meurt, lakini wakati anakufa, le diable le prend. Shetani anamchukua. Il l'enferme dans la tombe. Anamfungia mkaburi. Et il commence à jouer avec lui. Na anaanza kucheza naye. Oh, il a fallu qu'une colombe se lève. Ilitakiwa njiwa moja pande. Pourtant, message de la liberté. Mkuleta ujumbe. Pour aller dire. Kwa ajili ya kwenda kusema. Le prix a été payé. Baba bei ililipiwa. Maintenant ma fille peut être sauvée. Sasa hapa binti wangu anaweza kuokolewa. Maintenant mon fils peut être sauvé. Sasa hapa mwana wangu anaweza kuokolewa. Amen. Amina. Il se pourrait que je ne saurais pas tout lire. Inawezekana sitaweza kusoma byote. Écoutez. Sikiliza. Vous qui pensez être quelque chose. Nini wale mnazania kwamba mkubatu akabaila? Qui pense mériter par vos propres efforts. Nini bale mnazania kwamba mnastahili kwa nguvu yenu? Frère Branham dit ceci. Buku Branham anasema hivi. Dans le message que vous allez voir. Katika ujumbe mliendaka kona nini? Au point 3 il dit. Akifunga yake ya 3 anasema hivi. Eh bien. Basi. Si nous examinons la chose. Kama tunachunguza ile kitu. Il est difficile qu'au cours de la journée. Ni ya nguvu kabisa wakati wa mchana. Il ne se passe une heure. Kusipite hata saa moja. Où nous ne faisons pas quelque chose de faux. Mwile saa tunakosa kufanya kitu kibaya. Une heure seulement. Saa mzima haiwezi kupita. Frère Branham ne ment jamais. Du Branham adanganye kamwe. Vous ne pouvez pas penser une heure. Hauwezi kupitisha saa mzima. Ce n'est pas ma parole. Hii haina neno yangu. C'est projeté là-bas. Wewe naitia kule. Une heure seulement. Saa moja haitapita. Il ne peut pas y passer une heure. Hakuwezi kupita saa mzima. Sans que vous fassiez quelque chose de faux. Bila ufanye kanzambi. Il n'y a donc pas de petite faute. Nikusema akuikalaga tu manzambi tuloko. Ou de grande faute. Na bi manzambi binene. Toutes sont grandes devant Dieu. Yote ni manzambi minene mbele ya Mungu. Oh moi je ne fais pas ceci. Oh bila kusifanyake hivi. Il ne peut pas faire ceci. Hawezi kufanya hivi. Mais en faisant ceci. Kwa lakini mkufanya ile. Il te faut la grâce. Inakutakiwa neema. Sans la grâce. Bila neema. Personne ne peut être sauvé. Hakuna mtu anaweza kuokolewa. Amen. Amina.
Oui, messieurs. Ndio jamani. Frère Banama dit. Dans le message, parlez à ce rocher. Katika ujumbe sema kuimwamba. Et il donnera ses eaux. Na itakupatia maji yake. Ici il parle du peuple d'Israël. Hapa nasema kwa ajili ya ile taifa Israeli. Il s'était rebellé contre Moïse. Yenye limtombokea kwa Musa. Et je commence par lire quelque part. Minaanzia kusoma fasi moja hivi. Feba nam dit, c'est au paragraphe 35. Fasi ile ndio mama kifungua kwa 35. Feba nam dit, il est descendu dans sa gloire de la Shekina. Mama sema alichuka katika utukufu yake ya Shekina. Et les a bénis. Na alibariki. Dieu a parlé au prophète. Mungu alisema kwa nabii wakati. Va parler au rocher. When pika kumwamba. Feba nam dit amen. Baba anasema amina. Au milieu de tous leurs péchés. Katikati ya zambi yapo yote. Si Dieu était kama Mungu alikuwa. Si Dieu voulait amener le jugement sur nous. Kama Mungu alipenda kuleta hukumu juu yetu. Il n'y aurait personne parmi nous qui ne se soit plaint. Akuweza kuya mtu katikati yetu la nous méritons d'aller en enfer. Tunastahili kwenda mugeena. Nous ne méritons pas notre guérison. Atustahili uponaji yetu. Nous ne méritons pas notre sali. Atustahili okovu yetu. Mais au milieu de tout cela, lakini katikati ya yote ile, c'est même Dieu ule Mungu moja moja qui a pardonné leurs péchés, ule alisamiaka zambi yao et tous leurs doutes, na shaka zabo zote, a continué à dire, aliendelea mkusema, parle au rocher, sema kumwamba, et il donnera des saisons. Oh, la gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu imurudirie Bwana. Même au milieu de nos faiblesses. Katikati ya udhaifu wetu. Au milieu de nos péchés. Katikati ya zambi yetu. Et nous donne la possibilité. Mungu anatupatia ile bahati. Et nous avancer vers lui. Ya kumkaribia. Afin d'obtenir sa grâce. Kwa ajili ya kupata neema yake. Amen. Amina. Oui, monsieur. Ndio jamani. Écoutez. Sikiliza. Car nous venons de lire ici. Kwani tunatoa kusoma hapa. Disant qui a cri. Mukusema nani ule aliamini. Qui a reconnu. Nani ule alitambua. Le bras de l'Éternel. Mukono ya milele. Qui a reconnu ce qui a été annoncé. Nani ule alitambua mambo ile balitangazaka. Parce qu'il a été élevé comme une simple plante. Kwani alinyuliwa kama mmea tu ya kawaida. Il n'avait pas de beauté ni d'éclat. Akuwaka na urembo wala na kumelemeta. Mais par ses meurtrissures. Lakini kupitia bilonda byake. Nous avons été guéris. Je tulipona. Et le châtiment qui produit la paix. Na malipizi yenye kunaleta salama. Est tombé sur lui. Ili mwangukiaka ni yeye. Un jour dans un bateau. Il y avait un certain garçon du nom de William Put. William dit, William Put avait une vieille mère qui lui avait appris de lire la Bible autrement. Et nous aussi ce soir, nous avons une vieille mère. C'est la mère aigle. Il nous a appris de lire la Bible autrement. Kusoma Biblia kwa namna ingine. Tout à coup le capitaine est tombé malade. Mara moja capitaine akagonjwa. Et il se mourait déjà. Na alikuwa anakufa. Alors il a commencé à dire. Ni pale akaanza kusoma. Il peut quand même prier pour moi. Akaanza kusema nani ataniombea. Je suis en train de mourir. Niko nenda nakufa. William Put avait sa Bible. William Put alikuwa na Biblia. Sa mère lui avait appris de lire autrement. Ile mama yake alimwelezeaka namna kusoma ingine. Il s'est approché du capitaine. Akamkaribia capitaine. Il a dit cher monsieur. J'ai cette vieille Bible que ma mère m'a appris ile mama yangu de la lire autrement. Et que quand je prends une écriture, andiko, je m'identifie à l'écriture. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir? Quelqu'un peut dire ce soir, en remplaçant par son nom, que par ses meurtrissures, moi William je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui à cause de cette écriture. Que la paix entre dans ton cœur à cause de cette écriture. Que le grand shalom vienne dans ta vie et reçois la guérison de ton corps.
Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Je reçois la guérison de ton corps. Car je n'ai pas autre chose plus grand que ça. Une seule fois a suffi. Une seule prière a coûté. Et c'est suffisant. Et ce soir tu peux être guéri. Ce soir tu peux être délivré. Je le dis de tout cœur. La prière sincère de mon cœur. Amen. 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 Oui. Dio. Quand vous prenez la Bible, quand vous prenez une écriture, accrochez-vous-y. Comme une question de vie ou de mort. Car frère Branham a dit que chaque écriture, c'est Dieu sous forme des écrits. Et Dieu ne peut pas faillir. Il faillit n'est pas Dieu. Amen. Amina. Mais ils étaient coincés. Ils ont envoyé mascotte. Balituma mascotte. Mascotte a pris le message. Mascotte elle chukua ujumbe. Pour l'amener au quartier général. Kupeleka kule quartier général. C'est là où devait venir le ravitaillement. Pour dire qu'ici nous sommes coincés. Ukuche tunabanwa. Oh, il ne peut pas y avoir de nouveau un quartier général. Eh, akwezi kuwa mali ngine tena quartier général. Nous pouvons être ravitaillés. Oui, banaanza kutuletea msaada. Oui, je le crois. Dieu a un quartier général. Mungu ana quartier général. Je vais le lire. Nitaisoma. Amen. Amina. Mes frères, bandu yang, ils étaient coincés. Ils ont dû relâcher une petite colombe. Maintenant le problème, ce n'est pas que la colombe parte seulement. Il faut quand la colombe part, qu'elle puisse retourner. Le retour de la colombe est beaucoup important. Ni kwa lazima sana zaidi. Je parle de la colombe. Miku nasemea kwa ajili ya ule nchi waliumizwa. Oui, monsieur. Ndio jamani. Il faut le retour de la colombe. Inatakiwa kururia kwa ule nchi wa. Il retourne pas. Kama shirurie. Nous sommes tous morts. Che bote tunakufia hapa. Malgré la été meurtrier. Aizuru vile aliumizwa. Malgré sa souffrance. Aizuru mateso yake. Malgré tout cela. Aizuru vyote bile. Oh, son retour est important. Eh, kururia kwake ni kwa lazima. Amen. Amina. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sasa, un homme moja. Dans la Bible a utilisé aussi la colombe. C'était Noé. Il ni Noah. Quand il y a eu le déluge, Noé a pris une petite colombe. Noah, il l'a relâché. Elle est partie pour explorer les eaux, la terre. Et la Bible dit, la Bible dit c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 8. Vers le 11e verset. Lisez dans vos Bibles. La Bible nous montre que la colombe est sortie. On nous a pas dit quand est-ce qu'elle est sortie. Mais la Bible précise que la colombe est retournée vers le soir. Amen. Amen. La colombe est retournée vers le soir. Pas les mêmes. Mais avec un signe. Kwa lakini na alama. Et maintenant sur la terre. Hapa sasa pa dunia, il y a la paix. Peko salama. Quand vous voyez la douce colombe. Wakati munaona uyu njiwa mpole. De nouveau de retour. Anaruria male ngine tena. Portant avec lui un signe. Mwenye kuleta alama. Il annonce un nouveau jour. Eko natangaza siku mupia. Jour de paix. Siku ya salama. Jour de grand shalom. Siku ya salama où kubwa. Les choses vont marcher différemment. Siku ile bitu itaende. Amen. Amina. Oh, le retour de la colombe. Hey, kururia kwa njiwa. Je vois mon père quelque part, même si il n'est pas visible. Minona baba yangu, ataka mashonekane, niko namuona.
Que Dieu lui bénisse. Pour son bon cœur. L'amour qu'il a envers la jeunesse. Il aime beaucoup la jeunesse. Et nous allons travailler pour faire sa fierté. Amen. Amina. Oui, je le vois, il est là. Amina, mone ko pale. Le problème, Mambo, c'est le retour de la colombe. Ni kururia kwa njiwa. Parce qu'il faut que la colombe arrive au quartier général. Kwani natakiwa njiwa fike kule ku quartier général. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tu nanielewa? La colombe ne part pas n'importe où. Njiwa asiende fashi yoyote. Il connaît l'adresse. Anajua kule konaenda. Il sait là où il va. Anajua fasi ile konaenda. Et c'est au quartier général. Na quartier général. Que la colombe se dirige. Kule njiwa konaenda. Et même la colombe de Noé. Ata njiwa wakati wa Noah. Elle savait bien. Je suis sorti de l'arche et je dois retourner dans l'arche. Et frère Branham a dit que l'arche, Safina, c'est le type de Christ. Ni mufano ya Christo. Et qui est Christ? Na Christo ni nani? C'est la parole ouinte de ce jour. Ni neno lio pakaliwa mafuta ya siku ya leo. Amen. Amina. Oui, monsieur. Ndio jamani. C'est la vérité. Ni ukweli. Amen. Amina. Oh, j'aimerais le lire. Oh, mina penda ni isome. C'est dans le quatrième saut. Ni mumuri ya sa ya ine. Au paragraphe 378. Kifungo yake 378. Quatrième saut. Muuri ya ine. Paragraphe 378. Kifungo yake 378. Reba na mati. Nduba mana sema hivi. J'ai aussi pris Apocalypse 10. Nilichukua pia Ufunuo 10. Pour montrer que le message. Kwa ajili ya kuonesha kwamba ujumbe. Du septième ange. Ya malaika wa saba. Ce serait une personne. Itakuwa ni muntu. En ces derniers jours. Muima siku za mwisho. Qui serait loin de Dieu. Ula tapakaliwa na Mungu. Qui sera loin de Dieu. Ula takuwa mwenye kupakaliwa na Mungu. Pour remplir un ministère. Kwa ajili ya kutimiza huduma fulani. Tout à fait semblable. Huduma ya kufanana. À celui d'Élie le prophète. Na ile ya ule Elia nabii. Comme prédit dans Malachie 4. Baka vile banaitangaza Malachie 4. Pour révéler la vérité, la vraie parole originelle. Ile neno ya kweli ya usahihi. Dédié dans cette génération. Mwiki kizazi hiki. La parole originelle ile de neno Dieu. Ya usahihi ya dans Mungu. Cette génération. Mwiki kizazi la façon hiki. Dont il avait agi avec la Jezabel naturelle. Namna ile itendaka na Jezabel wa kiasili. C'était cette même façon. Jo kwa ile namna moya moya ile. Et cet homme agira avec la Jezabel spirituelle. Ule mtu atatenda na ule Jezabel. Les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7. Alors vous comprenez que le messager du 7e âge, c'est une personne ouin. Christ. Ni Christo. Je suis en train de dessiner niko nenda na kuchapa l'adresse du retour de la colombe. Ile anwani ya kururia kwa njiwa. Amen. Amina. Oui, cette colombe. Ndio ule njiwa. Qui est identifié au ministère de Jésus. Mwenye natambulishwa na ile huduma ya Yesu. Oui, Jésus qui a souffert à la croix. Yesu ule aliteswa ku msalaba. Nous ne minimisons pas la croix. Chei atuzarau msalaba. Nous connaissons l'importance de la croix. Tunajua ile lazima ya msalaba. Nous savons que sans la croix. Tunajua sima bila msalaba. Il n'y aura pas sunset mountain. Akukupashake kuya sunset mountain. Et dans le message Christ le vivant. Na muujumbe Christo ule aliye hai. Frère Branham dit. Tuku Branham anasema. Que Jésus Christ est mort pour ce ministère. Yesu Christo alikufaka kwa ajili ya hii huduma. Amen. Amina. Car les tourterelles étaient deux. Kwani manjiwa alikuwaka ni mbili. Il y avait une mâle. Kulikuwaka mwanaume. L'autre une femelle. Mwingine mwanamke. Et quand on tuait le mâle. Wakati ulikuwa naua ndume. On prenait le sang. Na kunachukua damu. On mettait sur la femelle. Mwanamke pandike. Et la femelle partait. Na ndike alikuwa naenda. En train de crier. Eko nalalamika. Saint. Mutakatifu. Saint. Mutakatifu. Saint. Mutakatifu. Et l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi. Saint. Mutakatifu. Saint. Mutakatifu. Mutakatifu ni Bwana. Yine turterele ma. Na njiwa ndume. A fait cette fois le tour du monde. Alizunguluka mara saba. En train de crier. Ulimwengu yako nalalamika. Mutakatifu. Mutakatifu. Ni Bwana wa majeshi. Amen. Amina. Oui, monsieur. Ndio jamani. C'est la vérité. Ni ukweli.
Le message de la colombe blessée. Ujumbe ya ule nji waliomizwa. Non, j'ai ma façon à moi de prêcher. Apana, mimi na kana namna ya kuhubiri. Je l'ai appris chez frère Branham. Na ile namna nilifunda kwa ndugu Branham. Il m'a appris que. Alinifundisha sema. Si il faut prêcher. Kama inapasha kuhubiri. Prêcher comme si c'était la dernière prédication. Ubiri sasa njoo kwa mahubiri yako ya mwisho. Alors je vais parler. Ni pale mitasema. Je vais parler du message. Nasema kwa ajili ya ujumbe. De la colombe blessée. Ya ule nji waliomizwa. Amen. Amina. Le problème c'est le retour. Tatizo ni kurudia. S'il n'y a pas de retour, kama kuna kurudia, c'est la mort. Ni lufu. Il faut que la colombe retourne le message. Inatakiwa ujumbe, si warudishe ujumbe. Comme signe que le quartier général. Sabire alama ya kuonyesha sema quartier général. A reçu la colombe. Anapokea njiwa ule. Nous devons voir le retour du message de la colombe. Kwa ujumbe ya ule njiwa. Et c'est ce que je suis en train de parler. Na ni ile niko nazunguzia. Oh, mes frères. Eh, banduku yangu. Maintenant regardez avec Noé. Sasa mwangalieni na Noah. C'est la colombe qui est sortie de l'arche. Ni njiwa njiwa tokaka musafina. La même colombe qui est sortie de ule Christ. Ule njiwa mwa toa kwa Christo. Le Saint-Esprit qui est sorti au calvaire. Uwe mtakati moja moja toka au calvaire. Quand Jésus a été troué. Wakati balumiza Yesu. Le Saint-Esprit est sorti. Uwe mtakatifu alitoka. Il a commencé à faire le tour du monde. Akaanza kuzungulika ulimwengu mzima. En train de chercher le quartier général. Yeko natafuta quartier général. Car le Saint-Esprit est la douce colombe. Kwani Roho Mtakatifu ndio ile njiwa mpole. Il a parcouru les ailes de l'église. Alizunguluka vizazi ya kanisa. Il n'a pas trouvé un endroit. Akupataka fwasi. Il a continué à chercher. Aendelea na kutafuta. Il continuera à chercher. Jusqu'à ce qu'il trouve un quartier général. Où il peut apporter le message. Et le prix a été payé. L'homme maintenant peut être sauvé. Et nous voyons cette colombe. Étant sorti de l'arche. Et le rentrer dans la même arche. Les mêmes ministères. Ce n'était pas une autre colombe. Elle n'est pas sortie colombe. Et retourner un papillon. Non. C'est le même Christ qui était à l'est. Qui est censé revenir au temps de la fin. Et il ne vient pas n'importe où. Il vient droit. Moja kwa moja, dans son quartier général. Dani ya quartier général yake. Amen. Amina. Avant que j'aille longtemps. Mbele nyende mbali. Lisons les messages, les messagers du soir. Tusomeni ujumbe ule mjumbe wa jioni. Les messagers du soir. Ule mjumbe wa jioni. Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? Au paragraphe 89. Kifungu yake ya 89. Prêchez le 16 janvier 63. Ilihubiri mtarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka wa 63. Est-ce que vous y êtes? Eti ilishafika? J'aimerais que ça passe en direct. Natamani ipite moja kwa moja kule juu. Est-ce que vous y êtes là-bas? Eti balisha tuma pale. Écoutez ce 89. Sikilizeni 89. Le messager du soir. Ule mjumbe wa jioni. Ule messager du temps de la fin. Au mjumbe wa wakati ya mwisho. Ça y est déjà? Manaitia. Wow, c'est trop lent. Oh, mnalenga kabisa. Bon, je vais lire. Kwa lakini nitasoma tu. Frère Banama dit. Buku bama nasema. Par conséquent. Kulingana na ile. Quand Dieu envoyait ses prophètes. Wakati Mungu alikuwa anatuma manabii bake. Quand il envoyait ses messagers. Wakati alikuwa anatuma bajumbe bake. Du testament. Ba mwagano. Il s'adressait à un seul homme. Alikuwa anaelezea mtu mmoja tu. Quand Dieu envoyait message. Wakati Mungu anatuma ujumbe. Dieu s'adresse à un seul homme. Mungu anaelezeaka ni mtu mmoja tu. C'est le message de William Branham. Ni ujumbe ya William Branham. Tous nous devons l'écouter. Chez bote tunapasha kumushikia. Amen. Amina. C'est le message d'un seul homme. Ni ujumbe ya mtu mmoja tu. Je recommence. Na nzula kusoma. Par conséquent, kulingana na ile, quand Dieu envoyait ses prophètes, wakati Mungu alikuwa anatumaga manabii bake, ses messagers du testament, bajumbe bake ba muagano, il s'adressait à un seul homme, alikuwa anaelezea mtu mmoja tu, et cet homme devait apporter le message, na ule mtu alipasha kuleta ujumbe, à partir de lui, kutokea kwa ule mtu, d'autres allaient partout. À partir de lui, d'autres allaient
partout, bengine bakwa nenda pali pote, apportant les mêmes messages. Kuleta ile ujumbe moja moja. Nous n'avons pas un nouveau message. Atuna na ujumbe mupya. C'est toujours les mêmes messages. Paka ile ujumbe moja moja ile. Et si les mêmes messages. Na kama ile ujumbe moja moja. Pouvait sauver une femme. Iliweza kuokoa mwanamke. Qui un jour elle était en train de mourir. Ule siku moja alikuwa anakufa. Elle a dit à ses collaborateurs. Alieleza barafiki yake. Que même si je mourrais, amenez-moi dans la présence de ces frères-là. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi, mais ils croyaient dans son cœur. Et Dieu avait un quartier général quelque part. Là où vient le commandement, là où quand la parole sort, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit? Elle a été apportée avant qu'elle arrive dans la présence de Frère Branham. Elle est morte. Et les gens se sont souvenus. Ne retournons pas avec elle. Ne l'amenons pas à la mort. Elle nous avait dit, même si je mourrais, amenez-moi dans la présence de ces frères-là. Et quand on l'a apporté, Frère Branham a prié. Oh Dieu, honore la foi de ces frères. Honore la foi de ces frères. Et Dieu honore ta foi dans les prophètes. D'autres allaient partout, apportant les mêmes messages. Mais il devait y avoir un quartier général. Amen. Mais il devait y avoir un quartier général. Frère Branham a dit, Dieu en a toujours eu un. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit, Dieu en a toujours eu un. Je suis serré. Il en est un ce soir. Même jusqu'à ce soir, Dieu a une adresse. Il a un quartier général. Amen. Amina. Est-ce que vous le croyez? Et tu n'es amini. Dites amen. C'est ma amina. Dieu a un quartier général. Mungu la quartier général. Le banam est terré. Dugu branam est comme nyeri. Et Dieu a encore ce soir un quartier général. Mungu karibia leo tena kona quartier général. Mais vous ne le croyez pas? Lakini mwe amuyamini. N'êtes-vous pas aussi erré? Et tu n'as mwe pia muna na eri. Oh. Hey. Merci Seigneur. Accenti bwana. Bonsoir andi au Seigneur. Utukufu imrudiririe bwana. Écoutez maintenant. Sikiliza sasa. Fe banam dit. Nduba manasema. Dieu en un ce soir. Mungu na quartier général mangali bia leo. C'est le Saint-Esprit. Quartier général il est Joe Home Takatifu. Bien sûr. Akika. Nous le savons tous. Chebote tunaijua. Eh bien. Basi. Il ne s'agit pas d'un groupe. Aina mambo kinkunji. Mais c'est le Saint-Esprit. Lakini ni Rome Takatifu. Qui est le quartier général de Dieu. Joe eko quartier général ya Mungu. C'est-à-dire le messager de Dieu. Mana yake mujumbe wa Mungu. Dele. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Le quartier général. Quartier général. Ce n'est pas n'importe où. Aina fashio yote. C'est le Saint-Esprit. Ni Rome Takatifu. Oui, nous tous nous avons le Saint-Esprit. Ndio, shebote tu na Rome Takatifu. Ce n'est pas ça ce que Frère Branham parle. Aina le Rome Takatifu yako ile njo duba masema. Il parle du quartier général. Ndio nasema nchi ya quartier général. Le Saint-Esprit. Rome Takatifu. Comme les messagers de cette ère. Savile mujumbe wa hii wakati. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Tu unaamini? Frère Branham est le messager de cette ère. Duku Branham njo mujumbe wa kizazi. Ni le quartier général de Dieu. Na eko quartier général ya Mungu. Amen. Amina. Écoutez mes frères. Shikia ndugu yangu. Oh, Dieu de nouveau dans son quartier général. Eh, Mungu malengine tena ndana quartier général yake. Amen. Amina. Oui, le message de la colombe blessée. Ndio ujumbe ya ule njiwa aliyoumizwa. C'est son retour. Ni kururia kwake. Dans le quartier général. Quartier général.
Amen. Amina. Et quand il vient, na wakati anakuya, étant le messager, mwenye kwa mjumbe, il a un message. Eko na ujumbe. Qu'un secours peut vous être apporté. Na unaweza kupata msaada. Il vient avec un message. Anakuwa na ujumbe. Il y a mon fils quelque part coincé. Uko mtoto yangu fasi moja hivi alishabanwa. Oh, il a besoin de l'aide. Eko na lazima msaada. Et au quartier général. Na quartier général. Il y a le général en chef. Uko chef wa ba generali. Amen. Amina. Dans le quartier général, il y a le général en chef. C'est lui qui donne les ordres. Et sa parole est irrévocable. Car il s'agit du même Saint-Esprit. Et quand il ordonne quelque chose, même l'enfer est en exécution. Écoutez-moi, mes frères. Un jour, un prophète du nom d'Élie a prophétisé sur Achab. Il a dit à Achab, tu vas mourir. Et après, Élie est mort. Élie akakufa. Il est parti. Akaenda. Un fanatique pouvait comprendre que Élie, il s'était trompé. Alikotola. Laissez-moi te dire, les prophètes ne se trompent jamais. Nabi akotola ke kamwe. Quand un prophète parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amina. Écoutez mes frères. Après cela, Achab s'est retrouvé en fuite. Il pensait que ce fanatique-là, il est mort, c'est tout. Mais la Sainte Bible déclare qu'un jour, la réunion s'est tenue au ciel. Dieu a demandé qui enverrai-je pour séduire Achab. Un esprit est venu d'en bas et il a accepté de partir pour oindre du mensonge tous les prophètes, afin que la parole d'Élie ne soit pas un mensonge. Oh, je sais, Élie a parlé de nouveau ce soir. Une réunion se tienne dans les ciels pour que la parole de Branham ne puisse jamais passer. Il nous a appris que si vous êtes en besoin et que quelque chose cloche dans votre vie, priez et dites: oh Dieu, un homme chaud, un montagnard de Kentucky, cet homme ratatiné et sans instruction, il nous a appris que toi Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et honore ses paroles. Si Branham est le prophète de Dieu, que Dieu le confirme ce soir, que Dieu l'honore ce soir, en exaucant ta prière, car nous croyons qu'Hébreux 13:8 n'est pas un slogan, mais encore une récitation, mais c'est une puissance vivante. Hey. Oui, messieurs, mais c'est un être vivant. Et des fois il marche dans les réunions. Il est le quatrième homme dans la fournaise. Il est le commencement et la fin. Il est la pierre de jaspe et sardoine. Il est l'arc-en-ciel à sept couleurs. Il est le gros diamant à sept coins. Je l'appelle l'ingénieur inventaire. Oui, il est le maître des circonstances. Le créateur de la genèse. Mumbaji wa mwanzo. Le créateur incréé. Mumbaji asiyeumbiwa. Il appelle les choses à l'existence. Un jour, siku moja, il est descendu chez Abraham. Alichuka kwa Ibrahim. Alors que le corps de Sarah, ule wakati mwili ya Sarah, était presque mort. Ilikuwa alishakufa, tunaweza sema.
là, na pale, il apporte la transformation. Et même c'est la puissance de transformation. Qu'il vous transforme ce soir. Akubadirishe mangali qu'il vous visite ce soir. Akutembele mangali pour confirmer qu'il ne change pas. Tu as quoi qui pour confirmer qu'il est le même hier. Tu as quoi qui s'est mis au aujourd'hui éternellement. Oui, messieurs. Maintenant tout peut arriver. Parce qu'il est ici. Il peut te toucher. Oui. Oui. Dio, Dio, Dio. Amen. Amina. Ça peut sembler être simple. Mais Dieu agit dans la simplicité. Ça peut être un petit monsieur qui prêche l'évangile. Mais Dieu des fois se sert des hommes comme nous. Pour accomplir ses prodiges. Dans la simplicité. Donc, que ce jour soit le jour de ta visitation. Amen. Amina. Oui, Dio. Écoutez, Skiliza. Dieu a toujours un quartier général. Mungu kila mara kana quartier général. Il n'a jamais manqué. Aja ikosaka kamwe. Il a traversé les ailes de l'église. Alivuka bizazi ya kanisa. En train de chercher un quartier général. Mungu tafuta quartier général. Comme une douce colombe. Et finalement, il en a trouvé. Comme nous venons de le voir, il s'agit du messager du temps de la fin, qui n'est rien d'autre que William Branham. Je crois que Frère Branham est le quartier général de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui peut le croire avec moi. Amen. Amina. Oui, le message de la colombe blessée. Mais mes frères, il ne s'agit pas d'une autre colombe. Il s'agit de la même personne. Car le même Jésus qui a été flagellé, il a fait cette promesse que dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous même jusqu'à la consommation des temps. Amen. Amina. Oh frère Branham, c'est quoi Jésus avec nous? Nini jusqu'à la consommation des temps. Prenons les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. Je prends le paragraphe 116. Les âmes qui sont maintenant en prison. Au paragraphe 116. Febanam dit, les ministères Uduma doivent être semblables. Mauduma inapasha kufanana. Est-ce que vous y êtes? Muna nielewa? C'est comme ça là-bas? Basha itia kule? Oui. Ndio. Les ministères Mauduma doivent être semblables. Inapasha kufanana. Au point qu'il a dit. Mwile kipimo alisema. Je vois certains de vous inscrire le passage de l'écriture. Mina ona bengine katikati yenu banaandika kifungo ya andiko. Saint Jean 14, 12. A Yohana 14:12. Celui qui croit en moi, ule ananiamini, verra aussi les œuvres que je fais. Atatenda matendo ini kunatenda. Voyez. Munaona. Les œuvres. Matendo. Prêcher aux perdus. Kuhubiri kwa waliopotea. Guérir les malades. Kuponesha bagonjwa. Et ensuite c'est à qui il est impossible d'être sauvé. Kisha kwa bale haiwezekana baokolewe. Voyez. Munaona. L'œuvre a continué. Tendo iliendelea. De la même manière. Baka mwile na muna moya moya. Ainsi, Ivi, ceci a été. Il kuaka. Ceci a-t-il été? Il kuaka. Puis-je le dire comme ceci? Naweza kuisema kama hivi. Le ministère de Jésus-Christ. Ile uduma ya Yesu Kristo. S'est réincarné dans son église. Iritingiza mumwili ya kanisa yake. En ces derniers jours. Mwima shiku ya mwisho. C'est ce que beaucoup de nous croient.
Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'est pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Après tout, Jean 14-12, c'est moi qui suis concerné. Jean 14-12, c'est un domaine à réserver de Malachie 4. Amen. Amina. Non, monsieur. Aie seulement l'humilité. Udishushe tu. De vous abaisser. Udishushe. Enfin de reconnaître. Ili upate kutambua. Jean 14-12. Asema Yohana 14:12. Après tout. Kisha yote. C'est moi, Branham, qui suis concerné. Joy mambo na nyangalia. Amen. Amina. Le quartier général. Quartier général. Là où le message de la colombe arrive. Fasi ile peko nafikia ujumbe ya njiwa. Lo aswara ndiwa Seigneur. Utukufu murudiririe Bwana. Qui vit éternellement. Yeye ule anaishi milele. Lui même qui est la douce colombe. Yeye ule uko ule njiwa pole. Yeye ameleta le quartier général. Eko wakati moja moja tena quartier général. Il est le tout en tout. Eko byote ndani ya byote. Il est le Dieu de l'amen. Eko ule Mungu wa amina. Il est le Dieu de ainsi soit-il. Eko ule Mungu wa bikwe paka hivi. Il est la plénitude de la divinité. Eko utele ya Mungu. Il est la pierre de jaspe de Sardoine. Eko ile jibu ya jaspe na Sardoine. La pierre fêtière. Il est jibu ya chongo. Il est descendu de la montagne. Il chuka kutoka kumlima. Sans le secours d'aucune main. Bila msaada mkono hata moja. Et frère Branham a dit. Tuku Branham anasema. Quand elle descend. Wakati ile jibu na chuka. Elle est la puissante vivifiante. Iko na uwezo ya kuleta uzima. C'est la dynamique sur la mécanique. Ni moto. Et sa puissance na uwezo yake traverse l'église inapita mkanisa jusqu'au plus faible. Nenda kufika paka na kwa mzaifu kabisa. Même les faibles au milieu de nous se voient. Hata mzaifu katikati yetu mangalibi ya leo. Il a assez de puissance eko na uwezo ya mingi pour faire quoi que ce soit. Kwa ajili ya kutenda izuru nini. Même un étranger dans nos murs. Hata mugeni katikati yetu. Même le plus faible au milieu de nous. Hata mzaifu katikati yetu. Il a assez de puissance pour faire de grandes choses. Est-ce que vous les croyez? Croyez-les de tout cœur. C'est la vérité. Amen. Amina. Oui. Dio. Amen. Amina. Oh. Eh. Amen. Amina. Maintenant, quand cet être revient, éculé sur son quartier général, quel impact qu'il a sur l'église? Est-ce qu'il vient pour être une doctrine? Est-ce une littérature religieuse? Non, monsieur. C'est un être tangible. Et c'est un réveil éternel. Nani amko ya milele. Cela est même présent ce soir. Ile amko iko hapa mangalibi ya leo. Change seulement d'attitude. We badirisha tu hali yako. Change seulement ton attitude. Badirisha tu hali yako. Car frère Banama dit. Kwani ndugu mama anasema. Dans l'exposé de cet âge de l'église. Maelezo ya saba ya kanisa. Est-ce que vous êtes prêts? Eh, tuko tayari. Dans l'exposé de cet âge de l'église. Maelezo ya saba ya kanisa. Au page 61. Kartasi ya 61. Paragraphe 61. Partie 1. Sehemu yake ya kwanza. Exposé des états de l'église. Maelezo ya bizazi saba ya kanisa. Page 61. Kartasi yake ya 61. Paragraphe 64. Kifungu yake ya 64. Écoutez ce que le message de la colombe blessée te dit. Sikia kile ile ujumbe ule njiwa ile umizwa inakuelezea. Ne crains point. Usiongope. Ne crains point. Usiongope. Jean ne crains point. Yohana usiongope. Petit troupeau. Watoto wadoko. Tout ce que je suis. Kyote kile niko. Vous en êtes héritier. Muko baritia ba kile niko. Tout
Mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Quand la bonne ombre retourne, elle n'apporte pas la crainte et l'échec. La colombe a un message d'encouragement. La colombe apporte des solutions. Oh petit troupeau, ne crains point. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour, le courage Odari et la capacité, na ile uwezo, tout pouvoir m'a été donné. Mamlaka yote balinipatia, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Na ile uwezo, ni mwenjo mnapasha kuitumia. Prononcez la parole, c'est ma neno, et je l'accomplirai. Na ntatimiza ile neno, c'est mon alliance, ni agano yangu, elle est infaillible, haiwezi kuanguka. Ce n'est pas l'alliance de William, aina agano ya ce n'est William. Pas votre alliance. Aiko agano yako. Mais c'est l'alliance de Dieu. Ni agano ya Mungu. Que Dieu garde son alliance. Mungu anachunga agano yake. Infaillible ce soir. Haiwezi kuanguka mangalibi ya leo. Nous allons parler. Tutasema. D'après l'alliance. Kulingana na agano. Nous allons appeler les choses à l'existence. Tutaita bintu bionekane. Par l'alliance. Kupitia agano. Et les propriétaires de l'alliance. Mwenye na agano. Puisse s'en occuper. Apate kuishana na ile mambo. Si son alliance échoue. Kama agano yake nashindwa, aeshuwe avec l'alliance. Mara yake anashindwa. Si l'alliance réussit. Kama agano yake naweza. C'est la véritable alliance. Ni agano ya kweli. Nous allons prendre l'alliance. Tutachukua ile agano. Et la placer. Na tutaitia. Entre la difficulté. Kati ya tatizo. Ainsi que nous. Na sheye. Soit la difficulté doit vaincre. Ao matatizo inanguka. Ou l'alliance doit vaincre. Ao agano inawina. Une chose doit être vraie. Kitu moja kinapasha kuwa cha kweli. Être faux. Nous faisons pas la publicité pour lui. Parce qu'il est plus que capable de se rendre lui-même témoignage. Oh, il descend ce soir. Il sera lui-même témoignage. Il est la même colombe. Il est la même colombe. Mais revenant avec puissance. Avec la puissance de la résurrection. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Eh, Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que le Dieu de William Branham vous bénisse. Huyu Mungu wa William Branham amibariki. Que le quartier général vous bénisse. Quartier général amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.